Le mode key est l'une des nombreuses fonctions de l'accélérateur intelligent ITC de BRP qui vous facilite la vie sur l'eau. L'accostage peut être l'un des aspects les plus difficiles de la navigation et le mode key de Sea-Doo peut contribuer à vous faciliter la tâche. Ce mode de conduite limite la puissance du moteur afin d'offrir une manœuvrabilité accrue à l'accostage. Pour activer le mode key, placez l'accélérateur au ralenti. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que « Mode Key » s'affiche sur l'indicateur multifonctionnel. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton « 7 » et le message « Appuyez sur 7 pour démarrer » ou « Mode pour quitter » apparaîtra. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton « 7 » jusqu'à ce que « Mode Key » réapparaisse. Le « Mode Key » est désormais activé et l'affichage principal de l'indicateur multifonctionnel s'affichera de nouveau. Maintenant, la puissance est réduite à un maximum de 3500 tours-minute, mais elle se répartit sur la portée complète du levier pour vous aider à manœuvrer le bateau à basse vitesse. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Mode » jusqu'à ce que « Mode Key » s'affiche sur l'indicateur multifonctionnel. Appuyez une fois sur le bouton « 7 » et le message « Appuyez sur « Mode » pour annuler » apparaîtra. Appuyez une fois sur le bouton « Mode ». Le mode « Key » se désactivera dès que le levier sélecteur et d'accélérateur est placé au point mort. Le mode « Key » rend moins intimidant la navigation lors de l'accostage et est disponible seulement sur les bateaux Sea-Doo équipés du système ITC. Pour plus d'informations, visitez la section propriétaire du site sea-doo.com.